chanson et pour terminer cette demi-heure sans interruption avec toutes les chansons que vous aimez, Waterloo de Abba, Rose Laurence, Africa. Et bizarrement, ça c'est la programmatrice qui a fait ça. Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini, sans nostalgie. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà. Je ne vois plus au loin que ta chevelure nue. Même si je m'aperçois que c'est encore moi qui te suis. C'est fini. C'est fini. Je ne vous cache pas que j'ai le cœur qui bat assez fort à l'écoute de cette chanson de Jean-Louis Aubert parce qu'elle résume un petit peu ce qui se passe là maintenant. C'est fini, voilà, c'est ma dernière apparition sur une antenne de radio. J'arrête ma carrière aujourd'hui, dimanche 20 juin. Et forcément, je ne peux pas m'en aller sans faire des remerciements à des personnes en particulier et ensuite à des personnes en général. Tout d'abord, j'aimerais remercier Jean-Pierre Foucault. C'est grâce à lui que j'ai commencé à vouloir faire de la radio un jour dans ma vie. Jean-Pierre Foucault, si tu m'entends, peut-être. Je te remercie infiniment. En plus de ça, j'ai travaillé avec toi sur MFM. Et c'était un plaisir de t'avoir à côté de moi. Je voudrais remercier également Pauline Sulac. Quand je suis arrivé sur Paris, Pauline Sulac est une grande animatrice. Et c'est grâce à elle que j'ai pu continuer dans ce métier. C'est elle qui m'a poussé. C'est elle qui a poussé les dirigeants de radio à me garder dans leurs équipes, et si Pauline Sulac n'avait pas été là, je ne serais peut-être pas en train de vous parler aujourd'hui. Merci également à Laurence Boccolini, qui a été mon professeur au studio École de France, l'école des radios, où j'enseigne aujourd'hui depuis 23 ans. Elle m'a, elle aussi, donné encore plus de passion pour ce métier, et je retransmets du mieux que je peux depuis 23 ans à tous les étudiants du studio École de France, et j'en profite aussi pour remercier son directeur Sylviane Marchionne de la confiance qu'il me donne depuis 23 ans. Merci également à Cyril Ferraud, l'animateur de France 3 que j'ai eu l'occasion de connaître, de rencontrer à Malmö pour le Grand Prix Eurovision de la chanson, l'année où il présentait pour la France en tant que speaker. Merci à tous mes amis que je me suis fait à Nostalgie, je pense à Christophe Nicolas, je pense à André Michaud. Merci à toute l'équipe de direction du groupe Énergie, Jean-Paul Baudecroux, Max Guazzini, Gaël Sanquer. Merci Mike Wagner également, qui a beaucoup compté dans ma carrière. Merci à Xavier Lessu et toute l'équipe de Nostalgie. Et puis merci à vous tous, auditeurs. Merci à vous tous qui êtes là depuis toutes ces années, qui êtes au rendez-vous, que ce soit le week-end ou que ce soit la semaine. Vous savez, vous, auditeurs, auditrices, que sans vous, nous ne sommes rien. Voilà, c'est par vous que nous existons. Merci de tous les messages que vous m'avez adressés aujourd'hui. Je ne peux pas vous remercier les uns après les autres, ça prendrait plus de 24 heures. En tout cas, merci pour votre bienveillance. J'espère que j'ai été à la hauteur. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très bonne continuation. Et comme le show must go on, très vite sur Nostalgie, c'est Christophe Ravet qui prend la suite et qui vous accompagnera jusqu'à minuit. Salut. Bravo. Demain, 18h-21h. Le classement événement est sur Nostalgie. Nostalgie, les plus grandes chansons.